Et donc, comment vivre les uns avec les autres? C'est un des grands défis de notre époque. Alors qu'actuellement, partout en Europe, c'est la montée des populismes, des discours d'extrême droite, du fait de se replier sur soi-même. Qu'avec le développement aujourd'hui des réseaux sociaux, on a de plus en plus une manière de vivre très très individualiste également. Donc comment vivre ensemble? Comment faire ensemble dans des sociétés de plus en plus polarisées, où certains mettent de l'huile sur le feu, notamment au niveau des discours médiatiques? Comment pouvoir nous inspirer, nous, en tant que musulmans, de ce prophète, alayhi salatu wa salam, envoyé comme miséricorde pour l'humanité, afin de construire avec l'autre, de vivre dans l'altérité, de manière saine et équilibrée? Comment faire de ce message qui habite nos cœurs aujourd'hui une plus-value, permettant, dans des sociétés de plus en plus déshumanisées également, de remettre justement au cœur de celles-ci l'humain, de remettre au cœur de nos sociétés polarisées l'union, la proximité, de nous rapprocher les uns des autres. Je crois qu'on se rapproche de moi déjà, Michel. C'est ça. Ça fonctionne. Et donc, je vous invite et je m'invite à réfléchir ensemble sur quelques éléments, quelques principes qui ont été développés par le Coran et qui vont être mis en application par le prophète, alayhi salatu wa salam, en tant que, justement, modèle de cette communauté, modèle de l'humanité. Revenons d'abord à qui est ce grand homme. Qui est Mohammed, alayhi salatu wa salam, que la paix soit sur lui. D'abord, il y a ce verset central, évidemment, dans notre perception même de la vie, du monde, et de la mission du prophète, alayhi salatu wa salam, « Wa ma arsalnaka illa rahmah ». Tu n'es envoyé en Mohammed que comme une miséricorde pour les mondes. Donc dès le départ, dans ce verset paradigmatique, on va nous rappeler une chose essentielle. Si cet homme est envoyé à l'humanité, c'est pour refléter la miséricorde, l'amour de Dieu exalté soit-il. Il va donc venir avec ce message qui est le reflet de ces deux grandes qualités de notre Dieu, qui sont Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout rayonnant de miséricorde et d'amour. Et il vient donc personnaliser, traduire cette miséricorde dans un modèle humain dont nous pouvons nous inspirer pour vivre au quotidien cette grande valeur. Ce prophète également qui vient pour l'ensemble de l'humanité. Il est un modèle qui vient nous permettre de transcender justement ces visions parfois étroites, fermé de la vie, rappelant que l'humanité est une grande famille. Ya ayyuhannas, inni rasulullah ilaykum jamia. Il va rappeler, à travers le discours coranique, ô vous les hommes, je suis pour vous tous le messager envoyé. Et dans notre perception, donc, l'ensemble de l'humanité est interpellé par ce message qui vient au service de l'humanité. Et nos savants partagent l'humanité en deux grandes communautés. Celle qu'on va appeler Ummatul Ijaba, la communauté qui a découvert et suivi ce message de miséricorde, et Ummatul Da'wa, et le reste de l'humanité qu'on doit inviter à découvrir ce message, à découvrir cette miséricorde envoyée par le Seigneur des hommes aux humains, afin de refléter cet amour qu'il porte à l'humanité. Donc il est le prophète de miséricorde, et il est un prophète universel. Et là, c'est peut-être à nouveau un défi pour nous avant tout. Car l'erreur parfois des musulmans aujourd'hui, c'est de s'approprier le prophète, de s'approprier l'islam et de vouloir le garder pour eux-mêmes. Un des défis des musulmans en Europe aujourd'hui, c'est de pouvoir justement réuniversaliser ce message. Et ceci doit se faire en permanence, pour que nos frères et sœurs dans l'humanité puissent découvrir ce message d'amour, de paix, de miséricorde qui habite nos cœurs. Donc il y a ces nécessités de la part de la communauté du prophète, alayhi salatu wa salam, de toujours chercher à réuniversaliser, à ouvrir ses portes. Aujourd'hui, c'est une activité ouverte. Tout un chacun peut rentrer ou rencontrer. Et c'est important à l'époque, justement, où certains cherchent à faire peur, certains cherchent à créer un problème musulman dans des visées purement électoralistes, malheureusement. Il y a cette importance pour nous d'aller vers nous, d'ouvrir nos portes,
d'ouvrir nos cœurs, afin que l'autre, notre frère et notre sœur dans l'humanité, puisse découvrir ces belles personnes que vous êtes, ces gens habités par la miséricorde, par la paix et par l'amour. Et donc il y a ce besoin d'aller vers les autres pour permettre de perpétuer l'universalité de ce message. Donc ce prophète, alayhi salatu wa salam, a comme vocation également de traduire les principes coraniques dans une réalité relative. Lorsqu'on a interrogé notre mère Aïcha, radhiallahu anha, que Dieu l'agrée, sur le comportement du prophète, alayhi salatu wa salam, elle rappelait qu'un khulquhu al-Qur'an, son comportement était le Coran. Et donc je vais vous inviter à réfléchir ensemble, à lister un ensemble de principes coraniques qui sont les éléments qui permettent justement de vivre ensemble, qui permettent d'avoir des relations apaisées, positives, constructives avec les différentes communautés de foi qui habitent nos sociétés. Et à partir d'un principe coranique, à chaque fois l'illustrer par le comportement du prophète, alayhi salatu wa sallam, par le modèle prophétique qui a traduit ces éléments afin qu'il ne reste pas lettre morte, qu'il ne soit pas simplement une belle théorie gravée au-dessus des bâtiments ou sur des drapeaux ou autres, mais que cette réalité soit une réalité qui se vit dans le quotidien. Car Dieu sait combien les bonnes intentions sont nombreuses, les beaux slogans sont nombreux, mais combien de fois dans l'humanité ces beaux principes de liberté, d'égalité ou de fraternité chers à la France ne sont pas toujours vécus dans le quotidien par les humains que nous sommes. Et donc tout le défi de l'humanité, ce n'est pas de parler des droits de l'homme, tout le défi de l'humanité, ce n'est pas de parler de ces belles valeurs et du vivre ensemble, tout le défi de l'humanité, c'est de traduire cela dans un faire ensemble. Passer de la théorie à la pratique. Et ça, c'est la vocation du prophète, alayhi salam. C'est pourquoi il y a toujours, qui va accompagner la révélation, le livre, le kitab, il y a toujours le prophète, alayhi salatu wa salam, le qudwa, le modèle. Il vient traduire justement cela. Et donc je vous invite à partager, à réfléchir sur quelques-uns de ces principes qui ont permis au prophète, alayhi salatu wa salam, justement, de construire, de développer une société dans laquelle le vivre ensemble est une norme, une réalité, et non une utopie. Premier principe, c'est le respect de tout être humain. Le Coran nous rappelle justement, nous avons certes ennobli, honoré tous les fils d'Adam. Il y a donc ce principe de base qui rappelle que tous les humains sont honorés, sont à respecter. Tous sont égaux, venant du même origine. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, va traduire cela. Kullukum min Adam, wa Adam min Turab, vous venez tous d'Adam. Et Adam vient de la terre. On nous rappelle donc cette origine commune. Le Coran nous rappelle que chaque être humain est un être digne, qui doit être respecté, quelle que soit son origine, sa couleur, son genre ou sa conviction. Et le prophète, alayhi salatu wa sallam, va traduire cela dans son quotidien. Un jour, il y a un cortège funèbre qui passe devant lui. Et par respect, il se lève. On lui dit alors, ce n'est pas un musulman ici que nous allons enterrer, mais un membre de la communauté juive. Il a alors cette magnifique réponse en disant, « Alaysat nefsan, ne s'agit-il pas d'une âme humaine ? Quelle que soit la conviction de cette personne, c'est un être humain digne et respectable, et je me lève devant cette humanité à respecter. » Premier principe donc de se vivre ensemble, c'est la dignité de chaque être humain et le devoir pour chaque musulman et chaque musulmane de respecter cette valeur importante de l'être humain. Deuxième principe, le Coran va nous appeler à la connaissance mutuelle. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Dans ce verset du Coran, Dieu nous rappelle, exalté soit-il, en vous les hommes, on interpelle à nouveau l'humanité. On vous a créé à partir d'un homme et d'une femme. Et on vous a établi en peuple, en tribu, en groupements différents.
Pourquoi? Pourquoi cette différence? Voulue par qui? Par Dieu. C'est Dieu qui a voulu la diversité dans l'humanité. Et qu'est-ce qu'il attend de nous par rapport à cette diversité? Pas d'en faire un écueil, pas d'en faire un problème, car la pluralité a toujours été une richesse. Et donc, qu'est-ce qu'il nous appelle à faire? L'ita'arafu, une connaissance mutuelle, aller les uns vers les autres. Et puis, il nous rappelle quelque chose d'important. Le plus noble auprès de Dieu, ce n'est pas le plus grand, le plus petit, le plus français ou le plus belge. C'est le plus noble, c'est le plus pieux. C'est taqwa, taqwa hauna, qu'on va dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la piété dans le cœur. C'est quelque chose qui n'est pas mesurable, observable. Afin justement d'éviter que les hommes, suite à ces critères d'apparence ou d'origine, s'estiment supérieurs à d'autres. Et donc il y a cette importance de la connaissance mutuelle. Et le prophète, alayhi salatu wa sallam, va illustrer cela justement lorsqu'il arrive à Médine. Et c'est un moment particulier, car lorsqu'il arrive à Yathrib, c'est le début d'une nouvelle aventure. C'est le début de la construction d'un nouveau projet, une société modèle, pluraliste. Quels sont les premiers mots qu'il va utiliser? Ce sont des mots savamment pesés et importants. Ya et Yohannas, il va d'abord parler aux humains. Il ne va pas dire aux vous les croyants. Il va rappeler l'universalité de ce message qui habite son cœur et qu'il transmet à l'humanité. Car ce message vient du Seigneur des mondes, le Seigneur des hommes, non le Seigneur des musulmans, le Seigneur de toute l'humanité. Ya Eyyuhannas, ô vous les hommes, afshu salam. Première chose qu'il va dire en arrivant, répandez autour de vous le salam. Et le salam, c'est aussi bien la paix, la sérénité, c'est également la manière de se saluer. Car on ne peut pas connaître l'autre si on ne fait pas l'effort d'aller vers lui et de le saluer, afin de nous entre-connaître, justement, comme le rappelait le verset. Première chose qu'il nous rappelle en arrivant, dans ces mots concis mais précis et importants, ô vous les humains, répandez la paix. Allez les uns vers les autres. Nourrissez ceux qui ont faim. Donnez à manger. Et si nourrir est un geste humanitaire, où on donne à manger à celui qui en a besoin, c'est également avant tout un geste de fraternité qui est très important. C'est pourquoi d'ailleurs on peut manger, nous, la viande des gens du livre. Parce que Dieu a voulu, exalté soit-il, créer du lien. Vous avez invité quelqu'un à manger, c'est un moment particulier. C'est un moment de partage. Et donc nourrir ici, ce n'est pas seulement donner à manger à la famille, mais c'est également partager sa table, partager un moment avec quelqu'un. Et donc dès le départ, il est dans cette vocation d'ouverture, de sérénité, de paix. Dans ce moment de partage, voici l'arham, lier les liens de parenté, car à nouveau nous sommes à un moment particulier de l'histoire. Nous sommes à un moment où les musulmans sont persécutés par les Mécois, polythéistes. Nous sommes dans la construction d'une nouvelle société où il y a peut-être des tensions. Et donc il rappelle une chose, attention à ce que les tensions présentes dans la société ne divisent pas vos familles. Restez des gens unis. Et si l'un ou l'autre d'entre nous vient à l'islam ou à une belle famille qui n'est pas musulmane, il est important de préserver ces liens de parenté, ce lien avec tout un chacun. Et puis il nous parle d'un moment d'intimité avec le Seigneur, exalté soit-il. Si vous voulez être ces gens habités par la paix, passez un moment de sérénité avec celui qui est la paix, Allah subhanahu wa ta'ala, dont un des noms est justement As-Salam. Si vous voulez être généreux, passez ce moment d'intimité en prière avec Al-Karim, celui qui vous apprend à ouvrir votre cœur et à donner, à partager. Et vous n'avez peut-être pas beaucoup de nourriture à partager, vous avez du temps. Parce que c'est ça qui compte quand on partage son repas. C'est pas spécialement, surtout en Europe, on ne meurt pas de faim en général. Par contre, beaucoup de nos frères et de nos sœurs dans l'humanité meurent de solitude. Et ils auraient tant besoin de belles personnes comme vous, d'un moment de partage, d'un sourire, qui est beaucoup plus important peut-être que le repas que je partage à ce moment-là. Passez ces moments d'intimité, priez la nuit avec Al-Karim pour partager cette générosité. Tatroulou Jannata bisalam, vous entrerez dans l'au-delà en toute paix.
Et donc il y a tout ce programme qui est résumé en quelques mots. Et qui sont les premiers mots du prophète alayhi salatu wasalam lorsqu'il arrive, allez les uns vers les autres, partagez des moments ensemble, préservez vos liens de parenté. Et n'oubliez pas ces moments d'intimité avec le Créateur qui vous nourrissent intérieurement pour pouvoir à l'extérieur faire rayonner cette foi, cette paix, cette miséricorde qui vous habite. Parmi les principes également du vivre ensemble, il y a un principe essentiel que j'appelle personnellement la reconnaissance. La reconnaissance de la nécessaire diversité que Dieu exalté a voulu. Quand on nous rappelle, alors, cher Rabbuka, la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Et les versets sont nombreux qui vont reprendre le même sens. Si ton Seigneur, ô Mohammed, l'avait voulu, il aurait fait que tous les êtres humains auraient cru. Est-ce que c'est toi qui vas imposer aux gens la foi? La volonté de Dieu a été de donner la liberté à l'être humain. Celui qui veut peut croire ou ne pas croire. Car la dignité de l'homme, la grandeur de l'homme passe aussi par sa liberté. Et ce choix doit toujours être un choix qui est fait en son âme et conscience. On ne peut imposer la foi. Et donc l'islam a appris justement aux musulmans, et on a vu dans toute l'histoire de cette communauté, de cette civilisation, comment on a pu vivre en paix avec nos frères chrétiens, avec nos frères juifs. Parce que justement nous avions cette perception que la diversité, que la pluralité, c'est une question de foi. Et le respect de la foi de mon frère et de ma sœur dans une foi qui est différente de la mienne découle de la croyance que j'ai en ce Seigneur. Et donc il y a ce principe de reconnaissance de l'autre. Et le prophète va traduire cela. Ibn Hisham nous rapporte dans sa sira qu'un jour une délégation de Najran, au Yémen, va se rendre chez le prophète, alayhi salatu wasalam, et vont discuter, débattre avec lui théologiquement, dans sa mosquée. Arrive l'heure de la prière, pas des musulmans, de cette délégation de chrétiens. Et ils se regardent les uns les autres. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comprend ce qu'ils veulent faire. Alors il dit à ses compagnons, laissez-les faire. Et ils vont accomplir leur prière dans la mosquée du prophète, alayhi salatu wa sallam. Imaginez-vous aujourd'hui, ou dans une mosquée, comment réagiraient les gens? Pourtant, à l'époque du prophète, alayhi salatu wa sallam, dans la mosquée de Médine, il laisse une autre communauté accomplir sa prière. C'est ça la reconnaissance de l'autre. C'est ça la capacité de vivre avec autrui, en tout respect. Et Ibn Qayyim, rahimahullah, interrogé à Hanbalit, dira dans un des Ma'ad, son ouvrage lui commande certains épisodes de la sira du prophète, alayhi salatu wa sallam, il y a en cela la permission pour les gens du livre d'accomplir leur prière dans les mosquées des musulmans, tant que ça ne devient pas une habitude. Pas transformer la mosquée en église, mais accueillir nos frères. Et donc il y a cette reconnaissance de la pluralité et de la diversité, car c'est une volonté divine. Il y a également toute cette notion de vivre avec l'autre, vivre au quotidien avec autrui, de ne pas créer toujours des barrières. Il y avait à Médine des communautés juives également qui vivaient avec les musulmans. Tout n'a pas toujours été rose. Mais dans le quotidien, le prophète, alayhi salatu wassalam, cherchait à créer ce vivre ensemble, à banaliser ces relations qui devraient être la norme entre nous, quelles que soient nos convictions, nos origines. Et donc il y avait certaines familles qui mettaient au service du prophète, alayhi salatu wassalam, leurs jeunes enfants, afin qu'ils apprennent du messager, alayhi salatu wassalam, et en échange, ils lui rendaient certains services. Nous sommes à Médine. La ville est remplie de musulmans. Et quand une famille juive demande au prophète, alayhi salatu wassalam, d'accepter leur enfant, il le fait. Il y avait plein d'autres enfants, mais il a envie de montrer, donc dans son foyer, dans sa propre demeure, il y a des enfants d'autres convictions qui rentrent, qui sortent. Parce que c'est ça le vécu quotidien du musulman. Et beaucoup de mes frères musulmans marocains me racontaient comment au Maroc, auparavant, on vivait, et on vit toujours, avec nos amis juifs, naturellement, voisins, voisines, on se rendait visite, on discutait les uns avec les autres, de manière tout à fait normale et naturelle, évidemment, ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, a cherché à nous enseigner dans son quotidien, dans sa vie. Parmi les principes également du vivre ensemble, c'est l'importance de pouvoir s'unir sur les fondamentaux.
pouvoir travailler ensemble main dans la main dans l'intérêt collectif. Le Coran nous rappelle, entraidez-vous dans la bonté pieuse, dans la bienfaisance. Et le prophète, alayhi salatu wa salam, a cherché à mettre cela à nouveau en pratique dans le quotidien. Il va, lorsqu'il arrive à Médine, être face à un grand défi. Comment construire une société plurielle? Comment faire que des gens d'origine différente, de convictions différentes, puissent faire société? C'est un défi, surtout à cette époque, où les gens ont l'habitude de vivre en clan, en groupe. Et donc faire société n'est pas évident. Et il y aura ce fameux traité de Médine, où le prophète, alayhi salatu wassalam, va rappeler justement cette unité entre les différentes composantes de la société. Et on va rappeler dans ce traité, « Inna yahoud ben a'ouf, ummatum ma'al mu'minin. Les muslimis dinuhum, wa les yahoud dinuhum. » Les juifs de ben a'ouf, une tribu, et les musulmans sont une même communauté. Mais c'est une communauté citoyenne ici. On va apprendre à faire société ensemble. Et juste après, qu'est-ce qu'on va rappeler? Les musulmans ont leur propre croyance et les juifs ont leur propre croyance. On vit ensemble dans une société où des valeurs communes nous rassemblent, tout en préservant pour chacune des communautés religieuses ses spécificités. Et donc cette capacité à créer du lien. Et dans ce traité, il y a toute une série d'éléments liés à la responsabilité individuelle. On ne se prend pas une communauté si un des membres accomplit une erreur. On a la solidarité sociale et économique. On a l'encouragement au bien. Il y a donc cette capacité dans ce premier document, qui est une forme de constitution, où on apprend justement déjà à l'époque un principe de laïcité, où on arrive à distinguer le commun qui nous rassemble. Nous sommes une oumma citoyenne tous ensemble, tout en préservant les spécificités spirituelles de tout un chacun. Et donc il y a cette capacité à faire ensemble, tout en préservant notre identité. Car être ensemble ne veut pas dire justement, pour faire avec mon prochain, je dois oublier qui je suis, je dois mettre de côté l'identité. Non, c'est en étant pleinement moi-même, pleinement épanoui dans ce que je suis, que je peux être une plus-value justement, et que nous pouvons les uns les autres construire ensemble. Et si je m'oublie, si je dois perdre une partie de moi-même, je ne suis plus cet élément justement positif qui peut apporter à la société tout ce que je suis, tout ce qui m'habite. Ce prophète, alayhi salatu wassalam, également, parmi les principes du vivre ensemble, il va rappeler l'amour du bien pour les autres. Et à nouveau, le Coran nous rappelle ce principe. « Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. » Vous êtes la meilleure communauté qu'on a fait surgir pour les hommes. L'islam n'est pas une religion fermée sur elle-même. Être musulman, ce n'est pas vivre dans sa foi et se détourner du monde. Vivre avec Dieu dans l'intimité, comme dans le premier discours de Médine, c'est se nourrir à certains moments pour pouvoir justement faire rayonner cette lumière autour de nous et pas s'enfermer et se cacher. Et donc c'est une communauté qui ne vient pas pour elle. C'est une communauté qui vient, qui va se nourrir, qui va se renforcer par cette fraternité pour apporter à l'humanité quelque chose. L'innes, vous êtes venus pour l'humanité. Et c'est pourquoi le prophète, alayhi salatu wassalam, encouragera justement les musulmans à être des gens utiles aux autres. Le meilleur des hommes, c'est le plus utile à l'humanité. Et dire encore, alayhi salatu wassalam, dans la version apportée par l'imam Ahmed dans son musnad, « La yu'minu ahadukum hatta yuhibba l'innes ma » Aucun d'entre vous ne sera réellement habité par la foi tant qu'il n'aimera pas pour les gens ce qu'il aime pour lui-même. Et donc on traduit à nouveau ce principe dans la réalité, dans le quotidien. Il va également chercher à préserver les droits des différentes communautés et des minorités notamment. À travers le traité de Najran notamment. Un traité qui va être établi entre les musulmans et les communautés chrétiennes, on a parlé d'eux tout à l'heure, qui vivaient au Yémen. Et dans ce traité, on va parler des cinq grands principes que la voie divine, la sharia, vient préserver pour l'humanité. La préservation de notre humanité, de notre dignité, de notre liberté,
la préservation de notre indépendance intellectuelle, la préservation de notre spiritualité, de notre religiosité, la préservation de notre famille, de notre foyer, et la préservation de notre indépendance économique. Il va rappeler à chaque fois dans ces traités que les communautés qui vont vivre avec les musulmans et sous l'autorité du prophète alayhi salatu wa salam voient leur bien être préservé, leur famille être préservée, leur liberté de culte être préservée. Et donc il va développer justement toute une capacité chez le musulman à comprendre que vivre avec l'autre est une nécessité humaine et une obligation spirituelle. Et que le musulman, Ibn Hazm dira, un grand théologien andalou, il rappellera que si des chrétiens ou des juifs vivant dans une terre d'islam sont agressés ou attaqués par d'autres, il y a consensus entre les savants musulmans qu'il y a obligation pour tous de se lever et d'aller défendre ces gens d'autres convictions, mais qui sont finalement des citoyens de la société dans laquelle nous vivons. Il va également, parmi ces principes, apprendre aux musulmans à repousser le mal par le bien. Car vivre ensemble est toujours difficile, même entre nous. Même entre nous, ce n'est pas toujours évident. Et donc il va nous rappeler, le Coran va nous rappeler cette capacité que doit avoir le croyant à se maîtriser, à patienter et à ne pas répondre au mal par le mal. Et de faire billati ni ahsan. Repousse le mal par le bien, et tu verras celui avec qui tu as veillé une animosité devenir un ami intime. Apprends à repousser le mal par le bien. On te regarde de travers, souris. On t'insulte, fais silence. On te rejette, ouvre tes bras. Et c'est dans cette capacité à la maîtrise de soi et à rester fidèle à ce qui nous habite, c'est-à-dire cette foi, ces valeurs, cette miséricorde, qu'on va pouvoir changer petit à petit les choses au quotidien. Et lorsqu'il y avait justement, avec les tribus juives, des moments de conflit politique, et il y a eu des tensions palpables, et certains, lorsqu'ils voyaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disaient « Assam alaykum ». C'est un jeu de mots. Que la mort soit sur toi. On lui dit salam, on lui dit salam. Et donc, Aïcha, l'épouse du prophète, entend des gens qui interpellent le prophète ainsi. Et elle se met en colère. Et le prophète lui dit non, ne réponds pas comme cela. Il n'en a rien à faire. Dieu est doux. Le Hibar Rifqa fait un décollé. Et il aime la douceur en toutes choses. Il lui apprend, si quelqu'un à un moment va t'agresser, reste dans la douceur et dans l'exemplarité. Parce que Dieu est doux, il aime la douceur. Et dans une autre version, Dieu est doux et il donne par la douceur ce qu'il ne donnera pas par la force ou la violence. Et donc cette capacité parfois à se maîtriser pour ne pas répondre à la bassesse par la bassesse, au mal par le mal. Parce que ce qui va nous différencier justement, ce sont les valeurs qui nous habitent. Et c'est ça qui montrera notre fidélité justement au modèle du prophète, alayhi salatu wa salam. Deux petits points qui ont terminé, Inch'Allah. Autre point important, apprendre à pardonner. Les relations humaines sont toujours complexes, dans un couple, dans une famille, dans une communauté de foi et dans une communauté nationale. Et une des qualités du croyant, justement, c'est d'apprendre à se dépasser, apprendre à pardonner. Et le Coran va nous rappeler l'histoire d'un noble prophète qui s'appelle Youssouf, alayhi salam, Youssouf, Joseph, que la paix soit sur lui, qui va être trahi par ses propres frères, qui par jalousie vont vouloir se débarrasser de lui. Et après toute une série d'événements, vous connaissez le récit, ce n'est pas l'occasion de le rappeler, Joseph va devenir ministre en Égypte et va avoir l'occasion de punir ses frères, qui sont en plus dans le besoin qu'ils viennent demander son aide. Il a maintenant une autorité politique et il a face à lui ceux qui hier l'ont trahi, ont voulu se débarrasser de lui. Mais le croyant habité par la foi, le croyant qui est le reflet de la rahma, de la miséricorde, n'agit pas comme cela. Et qu'est-ce qu'il va leur dire ? La tahriba alaykum al-yawm. Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamu ar-rahimin. On ne vous fera pas de reproche aujourd'hui, que Dieu vous pardonne, car il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Et ce qui est magnifique dans cette sourate, c'est que cette sourate est révélée à la Mecque pendant le blocus.
quand les musulmans subissent de la part de la majorité mécoise un blocus où pendant 3 ans on va être expulsé de la société. Et pendant ce moment où les musulmans sont au fond du trou, sont au fond du puits, sont rejetés par leurs propres frères mécois, il y a cette sourate qui est révélée. En ce moment de difficulté et d'épreuve que peut toujours vivre un humain ou une communauté à un certain moment de l'histoire. Et dans ce moment de difficulté, Mohammed est nourri par cette sourate qu'il va méditer, qu'il va transmettre à ses compagnons. Et des années plus tard, il revient à la Mecque. Et là, les choses se sont inversées. Les musulmans maintenant sont majoritaires. Et par un coup d'éclat, il peut revenir à la Mecque. Et il est face à ceux qui l'ont hier torturé, à ceux qui ont voulu le tuer, ceux qui ont assassiné certains de ses compagnons, ceux qui ont commis des crimes de guerre, une volonté peut-être même de génocide. Et Mohammed a.s. revient face à eux. Il a maintenant le pouvoir. Il a le nombre avec lui. Mais il est habité par quelque chose d'autre que la revanche, la haine, la colère. Il est habité par la rahma, par la miséricorde. Alors il dira, ce jour, c'est le jour de la miséricorde. Alors que Al-Ansari disait, c'est le jour de la vengeance. Non, c'est moi qui ai subi tout ça, mais je suis le prophète de la miséricorde. Et qu'est-ce qu'il va redire à ses propres frères, à sa propre tribu, à ceux qui, hier, l'ont trahi, l'ont jeté dans le puits, ont voulu se débarrasser de lui? Il va redire ces versets de Yusuf alayhi salam, la tasrib alaykum al-yawm yaghfiru Allahu lakum wa huwa arhamur rahimin idhhabu fantum at-tulaqa. Pas de reproche pour vous aujourd'hui, que Dieu vous pardonne, il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Allez, certes, vous êtes libre. Cette capacité à pardonner. Et c'est comme ça qu'on change les cœurs. Parce que c'est ça le rôle du musulman. Et c'est pas facile, il faut patienter parfois. On va subir l'islamophobie, on va subir le rejet. Mais c'est dans la patience et dans le bon comportement qu'on va pouvoir transformer les cœurs de ceux qui ont peur, parce que certains médias ou certains discours politiques sont là pour diviser, pour créer un problème musulman qui n'existe pas. Et c'est en restant fidèle à nos valeurs qu'on va permettre justement par le comportement de pouvoir transformer cela. Aimer son peuple, même si on critique parfois le système. Et ça, c'est important pour nous, musulmans européens. Le prophète, alayhi salam, vit à la Mecque, dans un système tyrannique et injuste qui persécute les minorités et les musulmans. Il n'est pas d'accord avec ce système, mais il aime son pays. Il aime son peuple. Et dans le Coran, à chaque fois qu'on parle des messagers, on ne crée jamais de division mentale et affective entre eux et leur peuple, mais entre eux et l'injustice, entre eux et la tyrannie. Et ça, c'était important pour nous, parce que certains cherchent à nous diviser. Il y a eux et nous. Alors qu'en réalité, il y a un peuple. Et donc ça, c'est important également. Dans le Coran, on va parler, par exemple, de Nuh, de Noé, alayhi salam. Donc le Coran va établir ce principe de fraternité au sein de la société. « Kazzalat qawm Nuhin al-mursalin, idh qala lahum akhuhum Nuh, ala tattaqoon. » Le peuple de Noé a renié. Donc c'est un peuple qui a renié le message de ce prophète. Et pourtant, comment le Coran va nommer ce prophète ? Leur frère. Et le prophète, alayhi salatu wasalam, quand son peuple lui fait du tort, quand il subit, Allahumma fir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Oh mon Seigneur, pardonne à mon peuple. Il dit pas c'est eux. Là, c'est mon peuple. C'est ma terre. Quand il quitte la Mecque, il va dire, tu es la terre la plus aimée à mes yeux. Il aime sa terre. Il aime son peuple. Et donc, on doit pouvoir aussi apprendre justement à dissocier les choses. Je ne suis pas d'accord avec un système politique injuste. Je ne suis pas d'accord avec un système qui ne représente pas aujourd'hui ni la liberté, ni l'égalité, la fraternité. Mais j'aime ma terre et j'aime mon peuple. Et je ne laisserai personne nous diviser. Ça aussi, c'est apprendre à vivre ensemble. Aimer la terre qui est la nôtre, aimer le peuple qui est le nôtre. Et dernier point pour clôturer, Inch'Allah, la capacité aussi à faire des concessions. Parce que pour vivre ensemble dans un couple, pour vivre ensemble à la mosquée, pour vivre ensemble dans le quotidien, il y a besoin parfois de pouvoir reculer pour mieux sauter, faire certaines concessions. Et nous avons ce fameux traité de l'Hudaybiyah, où le prophète, alayhi salatu wassalam, va établir un traité de paix avec les polythéistes mécois. Et lorsqu'on écrit au départ, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Souhaïl, qui est l'ambassadeur des Quraysh, dit, moi je ne connais pas ce Dieu Rahman ar-Rahim, enlève-moi ça. Et on va enlever ar-Rahman ar-Rahim. On va écrire Bismillah ar-Rahman.
Ensuite, on va écrire de Mohammed, le prophète de Dieu. Et il va dire, moi, je ne connais pas que tu es le prophète de Dieu. Sinon, je ne te combattrai pas. Écrivez Mohammed, le fils d'Abdullah. Et on va effacer Rasulullah. Et ce traité va être à l'avantage des Quraysh. Mais il y a derrière tout cela un élément essentiel que le visionnaire, que le prophète a.s.w. a vu, c'est la paix. Et il va signer ce traité, qui sera vu par les musulmans comme une forme de défaite. On va faire des concessions, on va se rabaisser. Mais le prophète s.a.w. il voit loin. Parfois il faut pouvoir reculer un peu pour mieux sauter. Parfois il faut pouvoir faire des concessions minimes dans l'objectif à long terme de pouvoir changer les choses. Et il n'y aura jamais autant de gens qui vont accueillir le message de la liberté, le message de la miséricorde, le message de la paix qu'est l'islam, qu'après le Hudaybiyah. Parce que qu'est-ce que cherchent toujours à faire les autres? À créer la peur, à créer la dissension. Et lorsqu'il y a un moment de paix et de sérénité, justement, c'est là où les gens s'apaisent et on peut pouvoir discuter et construire ensemble. Voilà donc ces quelques modestes éléments que j'ai voulu vous proposer à travers un focus sur un aspect de la vie merveilleuse du prophète, alayhi salatu wa salam. Trois éléments que j'aimerais qu'on retienne. Le premier, c'est que nous vivons une époque tendue et qu'il y a besoin aujourd'hui que des hommes et des femmes se lèvent pour dire non à l'injustice, non à l'islamophobie, non à tous les racismes et qu'on puisse créer une société forte et libre. Et c'est pas facile, mais c'est à nous, hommes et femmes, à être les acteurs de ce changement. Deuxième élément, le prophète alayhi salatu wa salam est cet acteur qui a permis justement d'être ce modèle pour l'humanité qui nous inspire dans tous les champs de la vie. Et un des champs que nous avons abordé, c'est comment développer ces relations interconfessionnelles entre les différentes communautés de foi, toutes rassemblées dans une communauté nationale. Et troisième élément, nous avons vu toute une série de principes qu'a essayé de mettre en place le prophète sallallahu alayhi wa sallam en partant de l'orientation coranique et des principes coraniques pour les traduire dans une réalité vécue. On a vu l'importance de la pluralité qui est volonté divine, on a vu l'importance de chercher le bien pour l'humanité, on a vu l'importance d'apprendre à pardonner, on a vu l'importance d'aller les uns vers les autres, on a vu l'importance de pouvoir faire des concessions. Tous ces éléments qu'on a développés et qui vont nous permettre, bismillah ta'ala, d'être le digne reflet de l'orientation coranique et du modèle prophétique. Par la Glorificum, je vous remercie pour ces quelques moments d'attention et de votre patience avec moi. Par la Glorificum.